Donc là, j'ai vu, tu avais deux jets alors. Voilà. Présente-nous un peu tes jets. L'autre, non, c'est un Sea-Doo aussi. C'est un Sea-Doo aussi. C'est la même coque, ouais. Mais modifiée. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du règlement, on n'a pas le droit de modifier le dessous de coque, ouais. Mais on a le droit de modifier la périphérie. C'est-à-dire qu'on a le droit de modifier le dessus, on a le droit de le mettre allégé. Ouais. Donc un pont d'origine, il fait à peu près 80-85 kg. Ouais. Et nous, on met des ponts qui font 10-12 kg. Ok, d'accord. Voilà. Donc on gagne énormément. Donc ce type de machine, ça développe combien de chevaux à peu près? Ça développe d'origine 300 chevaux. Ouais. Et ça développe le F1 qui est là-bas qu'on ira voir tout à l'heure. Ouais. Il développe 380 chevaux. D'accord. Voilà. Celui-là d'origine, il prend 8100 tours. Ouais. Ah, quand même. Hein. Ouais, 8100 tours. Pour une capacité à combien à peu près sur l'eau tu as d'origine là, il est à 120 km/h. 120 km/h. Là cette année, Sea-Doo, ils ont sorti une super machine. Ouais. Parle-moi un peu du championnat, alors comment ça s'est passé là? Donc là, ce week-end, on a fait la première manche du championnat de France de vitesse, ouais. Qui s'est déroulé à Sainte-Maxime. Ouais. Et donc ça, on est bien rentré dans le championnat, on a fait la pole position 3ème, première manche 4ème, deuxième ouais. manche 5ème, ouais. et troisième manche 4ème. D'accord. Donc apparemment, ça me place 4ème au général. Donc normalement, pour le classement, t'es quasiment au pied du podium. Voilà, là, je suis au pied du podium à je sais pas combien de points, on va regarder ça. Donc, ouais, j'échoue le podium pour 5 points. D'accord, ok. On va se bagarrer, il y a encore 4 manches. Ça se joue, hein. Ah, il y a encore 4 manches. Il y a encore 4 manches. Donc, les 4 manches vont se jouer en Corse. Oui. Et après à Fréjus. Non, alors il y a une manche à Pont-à-Mousson. Ouais. Une manche à Fréjus. Ouais. Une manche début septembre qui n'est pas déterminé encore le lieu. Ok. Et la finale qui sera soit à Cavalaire ou soit dans une autre ville, on ne sait pas encore la ville. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de points à. Et la fin du championnat, elle se termine quand à peu près? Là on est vraiment fin au début. Septembre. Donc c'est fin septembre. Voilà, le championnat de France vitesse, il y a une course tous les mois. Bah, c'est top. Bah, écoute, nous on te souhaite tout le bonheur du monde pour la prochaine saison. Bah, merci. Et puis on a vu que tu avais un nouveau sponsor d'Olicam. Voilà, d'Olicam, les caméras au top. Hein. Au top. Bah, oui. Ça va? Ça te fait de belles images? Carrément. Et puis surtout, vous venez sur place, ouais. Vous nous faites les montages, les images, nickel. Rien à dire. Bah, écoute, vraiment au top. On essaye. Hein. En tout cas, je te remercie, Seb. Merci à Dolicam. Merci, merci à merci. Toi et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Allez, ça marche. Allez, ciao, ciao.